Eh bien, bonjour à tous. Ouais, je vois qu'il y a moins de monde le jeudi. C'est peut-être moins de créneaux. Mais comme je vous l'ai dit hier, ben, il se trouve que les mercredis, je les occupe régulièrement à autre chose maintenant. Donc on va voir si je reviens sur du mercredi ou pas. Mais c'est pas parti pour en tout cas. Eh ben allez, tranquillement. Un jeudi, on approche de la fin de la semaine. Tout va bien. Je vais aborder deux, ouais, on va dire deux petits sujets aujourd'hui. Hier, si vous avez suivi sur Twitter, ou oui, c'était hier, j'ai relayé une. C'est une vidéo, c'est une keynote qui est intéressante en soi, hein, mais c'était pour dire aussi. Parmi les gens qui m'ont influencé, en tout cas qui m'ont inspiré pour bah, revenir dans l'électronique et surtout aborder un peu plus sérieusement un certain nombre de points autour de l'électronique, de la robotique. Il y avait Lady Ada, ça c'est son pseudo plus connu donc sous le nom de Lady Ada, mais qui s'appelle Lee Morfrid, qui est la personne qui a fondé cofondé avec son compagnon, si je dis pas de bêtises, Adafruit, qui fait des trucs formidables dans le monde de l'électronique, je trouve. Donc, je vais juste vous partager. Hop. Je vais vous partager le lien de la vidéo. Bonjour, Messire Poncé. Donc voilà, je la mettrai bien sûr. Sous la vidéo YouTube. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette keynote, c'est qu'elle revient sur ce qu'elle a vécu, elle, depuis ses années au MIT et puis ses débuts dans l'électronique, avec les composants qu'il fallait effacer avec une machine qui effaçait les EEPROM qui étaient dedans. Et puis l'arrivée de l'Arduino, mais un certain nombre d'autres choses. Et surtout, je trouve qu'elle explique super bien pourquoi elle s'est intéressée à. Alors Python, elle s'intéressait déjà à Python à côté, mais pourquoi ça lui a semblé pertinent à un moment donné de rejoindre ce mouvement avec, bah, avec son entreprise autour du Python embarqué. Et dans un deuxième temps, elle explique aussi, ce qui fera sûrement l'objet d'ailleurs de prochaines émissions, pourquoi elle tente en ce moment, avec son initiative autour de circuits de Python, pourquoi elle tente d'unifier les API. Donc voilà. Le téléphone qui sonne pendant l'émission, c'est rare, mais ça arrive. Et j'ai trouvé intéressant tout l'historique en fait de comment on pouvait en tant que particulier et amateur se plonger dans l'électronique, la difficulté qu'il pouvait y avoir et ainsi de suite. Et c'est plutôt bien développé et ce qui a abouti en tout cas à me rappeler que la partie circuit de Python qui a été adaptée pour les Raspberry notamment, mais pas que. Voilà, je vous aurais peut-être dû vous mettre ce lien-là aussi. Je vais le rajouter. Il y a la partie qui s'appelle Blinka, qui est eh bien une implémentation d'un maximum de choses communes avec le circuit de Python des microcontrôleurs pour avoir l'API de contrôle. Sur les GPIO de différentes cartes, donc il n'y a pas que les Raspberry, hein, puisque elle aborde aussi toute l'histoire là-dessus. Donc il y a un certain nombre de single board computer là-dedans. Parmi les choses qui sont intéressantes, que je vais sûrement commander, là il y a ce composant, le MCP2221 et ou le FT232H, qui en fait permettent de relier par USB. Un ordinateur classique, hein, votre desktop, votre laptop, et de le rendre aussi compatible avec cette partie circuit de Python et d'exposer des GPIO de cette façon-là. Donc c'est sûrement quelque chose que je vais explorer. J'ai commencé déjà de regarder un petit peu ce que j'ai fait l'autre jour avec la Raspberry Pico, où j'ai fait un exemple assez simple en reprenant les librairies existantes de NeoPixel pour faire un certain nombre de choses avec cet anneau de NeoPixel que j'ai là.
Et je vais essayer de le décliner sur un maximum de cartes pour montrer qu'il y a vraiment une similitude. Je pense que les changements qu'il va y avoir, si j'ai bien commencé à repérer là déjà un petit peu, ça va être sur éventuellement les nommages des différentes broches qui sont pas encore complètement uniformes. Tout bêtement, j'ai l'essai que j'avais fait avec la Raspberry Pico, la broche de signal pour contrôler les néopixels, c'était la GP0. Cette GP0, moi j'ai commencé à adapter ça. Enfin, j'ai fait des essais avec un device que peut-être je vous ai peut-être pas montré dans la série des news là que je fais depuis quelques temps, mais qui est une carte qui s'appelle la Piu Piu, qui est une petite console faite par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Deschipou, qui vit en Suisse, qui est une mini console en fait. Je sais pas si je l'ai. Évidemment. Pour une fois, j'ai rangé. Oui, donc c'est pas le bazar, je l'ai rangé. Je vous la montrerai, on fera une petite émission. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré, peu importe. Et elle tourne avec circuit de Python. Et dans son cas, le nommage de la broche, la première broche, eh bien, au lieu que ça soit GP0 sur l'implémentation pour la Pico, là, ça sera P1. Donc voilà, il peut y avoir des nommages un peu différents. Salut Charles, non tu ne rates pas la diffusion en direct même si ben voilà c'est un jeudi pour une fois. Je sais pas si je vais rester sur du lundi jeudi définitivement puisque le mercredi j'ai des choses qui se passent maintenant, que ce soit aller au bureau ou m'occuper de d'autres personnes. Donc voilà, je vais vous mettre le lien dont je viens de vous parler là au sujet de Blinka, l'implémentation circuit de Python, l'accès au GPIO. Donc ça se pilote avec un Python 3 de desktop, enfin classique. Simplement, ça rajoute cette couche de librairie qui permet d'écrire finalement quelque chose d'entièrement compatible. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. La keynote avec Limor et Blinka. Et ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que j'ai acheté. Alors attendez, c'était avec quoi? C'est quand j'ai acheté, voilà, le petit. Hop. Je vais vous le remontrer comme ça, c'est peut-être plus sympa. Quand j'ai acheté chez Keytronic le petit Move, leur petit robot sympa avec une extension qui permet de piloter des moteurs, un cerveau et puis un servomoteur et puis des LED. Il se trouve que chez Keytronic, ils ont également une carte qui est celle que vous voyez ici. Alors est compatible V1 et V2, là pour l'instant j'ai fait des essais en V1. Qui permet de piloter des servomoteurs jusqu'à 16 servomoteurs. J'ai un peu spoilé l'ordre dans lequel je voulais vous montrer les choses, mais c'est pas bien grave. Je vais revenir dans l'ordre de ce que je voulais vous montrer. Voilà. Il se trouve que. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique, hein, sinon on va faire la sieste avant l'heure. J'ai rattaqué tout ce qui était électronique quand l'Arduino est arrivé. Donc la date exacte, ça doit être 2004-2005, mais moi j'ai commencé en plutôt 2006. Et j'ai commencé à me réintéresser à tout cet univers qui me semblait tout à coup un petit peu plus accessible pour moi en tout cas. Je sais plus exactement la date là malheureusement. Attendez, j'ai dû commencer autour 2006. Alors du Arduino Uno c'est 2005 je crois, il me semble que dans la keynote justement, enfin bref, peu importe. Charles, tu viens de commander la même pour Raspberry Pi. Pour commander les servomoteurs? Oui, effectivement, il y a plusieurs déclinaisons. Donc toujours est-il que j'ai commencé par faire quelques années d'Arduino, de montage, de redécouvrir un peu tout ça. J'ai fait une petite étape, un petit crochet par le Lego Mindstorm avec mon fils à l'époque, puisque c'était une occupation qu'on avait ensemble. Pour essayer d'occuper son jeune cerveau un peu différent et bouillonnant, on avait fait du Mindstorm. Dans la foulée, je l'avais un peu initié. J'avais un des innombrables clones d'Arduino Uno qui était fait par DF Robot. Je vous conseille DF Robot, ils font des jolis produits d'ailleurs. Et cette carte, elle était intéressante parce que c'était à la fois une Arduino Uno, mais directement, il y avait un système de brochage comme sur la carte que je viens de vous montrer, qui permettait de piloter quelques cerveaux et qui permettait de piloter un moteur. Donc avec mon fils, on avait fait
des robots. Il avait même fait au collège un petit, quand ils avaient des espèces de petits projets exposés technologie à faire, on avait fait un petit robot comme ça qui était piloté par une Arduino, cet Arduino. J'avais fait un repassage par les Raspberry. Pareil, j'avais acheté une carte qui permettait de piloter des moteurs pour faire ce genre de choses. Et de fil en aiguille, en voulant aller un petit peu plus loin, la robotique m'intéressait, m'intéresse toujours, même si j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Je m'étais mis à faire des petits montages et j'avais trouvé à l'époque une communauté. Donc là, la communauté s'appelait Let's Make Robots. C'était on voit encore le petit tag là sur la page en bleu en haut à gauche. C'était une communauté complètement indépendante, hein, juste des makers qui partageaient un peu leurs infos. Et parmi ceux-ci, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lutz. Je dis quelqu'un parce que malheureusement, il est décédé 2012, 2013, je ne sais plus, malheureusement. Et c'était quelqu'un de super ingénieux et qui partageait énormément de choses. J'aurais pu le rajouter dans la liste de mes inspirations. J'aimais bien l'approche qui moi m'a beaucoup débloqué parce que j'osais pas faire certaines choses parce que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment maîtriser la belle et jolie façon de tout faire, de l'électronique, de la mécanique, il fallait vraiment maîtriser. Et lui, il passait régulièrement avec des robots qu'il faisait dans son atelier, avec tout ce qu'il récupérait et un peu c'était le roi du pistolet à colle. Et il avait fait alors il en avait fait plusieurs, mais il avait fait une série de robots. Qu'il appelait les. Alors, voilà, Chopstick Junior, parce qu'il en avait fait plusieurs. Les Chopsticks, là, c'est ces petites. À la base, c'est les baguettes qu'on a quand on va manger un certain plat asiatique. Alors, après, il avait des baguettes de. Il trichait un peu, en fait, parce qu'il avait aussi des baguettes de balsa qui étaient un peu plus légères. On va y revenir juste après. Toujours est-il que, voilà, avec de la glu, des bâtons de. Qui récupérait les bâtons de. Bâtons de glace, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est les bâtons plats qu'on a dans certaines glaces. Il faisait des assemblages avec le pistolet à colle. Il collait les servomoteurs, moteurs, il les bloquait avec ses morceaux de bâton. Et à l'arrivée, il faisait un projet qui était ni plus ni moins qu'un petit quadrupède. Alors il utilisait, là ça s'appelait polymorphe, mais il y a plusieurs noms. C'est une substance qu'on trouve en petites granules, alors, qui étaient des granules blanches. Vous les mettez dans de l'eau chaude, elles se ramollissent. On peut en faire comme une espèce de pâte à modeler. On fait la forme qu'on souhaite avec, et en refroidissant, ça durcit. Et donc, il faisait ses assemblages, et puis il montrait comment, avec. Alors, il était quand même électronicien, donc il faisait des petites cartes d'adaptation pour le pilotage des cerveaux avec des Arduino Nano, des choses comme ça. Et voilà, il faisait les chopsticks. Et il expliquait, il donnait des principes de programmation et tout, mais surtout moi ce qui m'a appris c'est on y va, on fait les choses et puis c'est pas grave de prendre du matériel un peu cheap, on essaye, on verra plus tard. Parce que moi mes premières recherches quand j'avais regardé des servomoteurs digitales qui valaient entre 40 et 100 euros pièce. Vous en avez 3 par patte, vous faites un quadrupède, ça vous en fait 12, je vous dis pas le budget. Et en fait on peut s'initier sans aller jusque-là. Hop, un petit tour sur le chat. Oui, Charles, c'était un Mindstorm. Je sais pas pourquoi tu dis 2 ou 3. Ma connaissance. Ouais, c'est un mauvais nommage. Il y a eu le premier avec la brique jaune. Le second, qui est celui que j'ai eu, qui était avec la brique blanche, la deuxième. Et puis, qui devait s'appeler NXT. Et on a eu le NXT3 avant de passer à la nouvelle génération, là actuelle, où ils en ont sorti encore une nouvelle. Voilà. Faut qu'il y ait les questions. Alors, Mindstorm. Hop. Donc, non, j'avais pas le V3. Si c'est ça la question, j'avais celle juste avant. Je sais pas s'il y a un historique là, je sais pas, une pom-pom-pom, un petit Wikipédia. Donc, il y avait la première brique qui était la brique RCX, voilà, qui était la brique jaune. Ensuite, il y a eu la brique NXT, c'est celle que j'ai.
Et il y a eu ensuite le V3. Et puis maintenant, ils sont en train de faire une nouvelle génération là, qui a l'air pas mal aussi. Avec la. Alors, il y en a deux, il y a la Lego Spike, et puis il y en a une deuxième. Enfin, bref. Bon, c'est super, mais c'est beaucoup trop cher. Revenons à nos petits moutons. Et donc, voilà, j'ai beaucoup appris grâce à Lumi et tout ce qu'il partageait. C'est là aussi où j'ai fait, entre guillemets, la connaissance, même si c'était plutôt de la lecture et très peu d'interaction avec lui, de Deschipou, que j'ai revu bien plus tard. Et donc, je me suis lancé. Je me suis lancé. À l'époque, je stockais tout sur Flickr, ce qui n'est plus le cas. Je peux vous partager l'album. Et donc, j'ai fait mon premier petit quadrupède qui s'appelait Sticky. Donc, j'avais récupéré un certain nombre de. J'avais découpé là, un certain nombre de bâtonnets que j'avais aussi, moi, de mon côté. Plus tard, j'avais refait un essai avec des vrais chopsticks de restaurants asiatiques. Et voilà. Donc, je prenais mes petits bâtonnets. Voilà le fameux polymorphe qui est blanc en granule, qui devient transparent quand il se met à chauffer suffisamment. Upgrade to Flickr Pro pour. Ouais, c'est bien, c'est sympa ça, merci. Je sais pourquoi je suis pur sur Flickr. Donc voilà, ça finit par faire une petite boule. Alors pour la seconde partie, ça c'était pas des magnums, il y a deux parties. Il y a la partie avec ses bâtonnets. Avec, voilà, vous voyez quand ça commence. Alors c'est pas tout à fait refroidi, on voit que c'est encore translucide. Là, j'avais fait la photo dans la foulée. Et après, bah, j'étais allé récupérer des petites plaques que j'avais de modélisme, mais j'ai eu rajouté effectivement des bâtonnets de Magnum, effectivement. Hein. Et je suis un grand gourmand de glace, si tu veux tout savoir, Bbox. Et donc voilà, j'avais fait mes petits montages pour mettre mes cerveaux, pour essayer de les bloquer, de les fixer, alors, voilà, comme il disait, à grands coups de pistolet à colle, donc j'avais un gros usage à l'époque. On voit derrière d'ailleurs, fait aussi avec des petites plaques de bois que j'avais de modélisme, ce qu'on appelle un tilt, c'est-à-dire avec deux servomoteurs, faire deux axes pour mettre une petite caméra éventuellement dessus. Voilà, on va se payer les. Il faut que je rapatrie mes photos ailleurs. Donc j'avais fait une série de photos dessus-dessous. On continue des découpes, on fixe les. C'est ce qu'on livre là avec les. Ce que vous voyez, les petits servomoteurs sont livrés avec des versions qu'on peut clipser, soit rondes, soit des. Ils appellent ça les horns, les cornes, de plusieurs formats. Donc voilà, étape après étape, on continue. J'avais fait des assemblages, vous voyez, ça c'était un premier assemblage comme ça. Et voilà. J'avais mon assistant à l'époque, qui a bien grandi depuis, mon cher fils. Et voilà la version plus ou moins définitive que j'avais. Là-dedans, il y avait plusieurs choses qui collaient pas du tout. Le bois de modélisme que j'avais utilisé n'était pas du tout fait pour ce type de contrainte. On le voit très bien en plus, j'aurais dû m'en douter. Je fais suffisamment de petits bricolages en bois pour le savoir, mais voilà, j'étais lancé, j'étais dans un autre domaine, je me suis perdu. On voit les fibres, et là dans ce sens. Et surtout, la plus grosse erreur, c'est les fibres qui sont dans ce sens ici sur les pattes. Et ça, une nuit, il a décidé qu'il allait prendre du repos. Je suis arrivé le matin et c'était brisé en 1000 morceaux sur plusieurs pattes qui avaient cassé à ce niveau-là, et puis même la plaque au milieu avait pété. Donc ma foi. L'autre chose qui n'allait pas, c'est que j'y étais allé franco avec le polymorphe et que pour ces petits servomoteurs, ça faisait quand même pas mal de poids. Peut-être qu'aujourd'hui, avec mes systèmes d'alimentation, j'aurais peut-être eu assez de courant. Parce que le truc, c'est que les montages que je faisais là, j'avais, voilà, j'y allais quoi. Je dis si ça grille, ça grille. Et j'avais clairement pas assez d'intensité de courant. Il aurait fallu, à l'époque, je faisais avec des boîtiers à piles, donc qui étaient super lourds. Donc c'était beaucoup trop de poids pour ce format. Et il se trouve, tada, nous en arrivons à la version plus récente, qu'entre-temps, ma femme avait récupéré ce que vous voyez en bas là en blanc, qui est du. Alors le nom exact, je crois qu'elle appelait ça du carton plume. C'est du carton utilisé, en tout cas là ça venait de quelqu'un
qui avait fait des études d'architecture et qui faisait des maquettes de bâtiments et de constructions avec. C'est pas trop épais, mais quand même suffisamment. C'est relativement rigide. Et c'est très 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 léger parce que c'est très creux à l'intérieur et c'est facile à travailler avec un simple cutter. Donc on peut faire. Voilà, là, j'avais dessiné parce que j'étais parti sur un modèle que j'avais récupéré qui était un modèle impression 3D. J'avais pas d'imprimante 3D à l'époque. Et puis surtout, ça va plus vite que de l'impression 3D, mine de rien, de faire ça puis de découper. Il faut juste un peu de patience. Hop. Et donc voilà ce que ça donnait. Là on voit les encoches que j'avais prévues pour les servomoteurs, que j'ai prévues, qui marchent toujours. Là les emplacements pour les fixations circulaires. Ça c'est ce qui reste de celui d'avant pour libérer tout ce qui était colle et récupérer les composants. Ça y était allé. Oui, c'est une forme de polystyrène à l'intérieur, tu as tout à fait raison. Et je sais pas entre le polystyrène. L'avantage par rapport à du. Je pense, hein. Par rapport à du polystyrène même compact, c'est que la surface extérieure, c'est un carton papier qui est très facile à avoir une très bonne adhérence avec de la colle. Voire même, comme la couche extérieure est très résistante, on peut même y mettre des petites vis si c'est sur des petites choses. Alors. Ah oui, on peut faire aussi de la découpe, bien sûr, avec une découpe laser que j'ai pas ici, c'est toute une installation. Bah c'est bête que Patrice soit pas connecté parce que figurez-vous qu'il apprend l'électronique, mais il apprend pas tout. Il y a des trucs que j'ai découvert, il maîtrise parfaitement. Il a une découpeuse laser chez lui, donc il fait de la CNC avec, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, il faut être vigilant, c'est un appareil qui chauffe beaucoup, faut rester à côté pour éviter les débuts d'incendie par exemple, ça peut arriver, on sait jamais, et puis surtout ça dégage quand même pas mal de fumée qui sont quand même pas bien conseillés, donc il faut un endroit très aéré. Donc voilà, j'ai continué mon assemblage. Là, je vous montre un peu toutes les étapes. Et puis, bah, j'avais récupéré ma carte, vous voyez, on la voit bien là, la carte DF Robot qui permet de piloter directement des moteurs continus ou de piloter des servomoteurs. Il y a plusieurs capacités de connectique là, puis il y avait même des boutons pour faire des tests. Elle était très bien cette carte pour démarrer. J'ai vraiment fait plein de choses dans mon Arduino avec. Et attention à utiliser les lunettes avec la graveuse laser. J'en ai pas, mais effectivement, c'est plus que conseillé. Voilà, on commence à arriver à la version un peu définitive de tout ça. Et ça donne un quadrupède qui a les éléments nécessaires. Voilà, avec la carte de montage. Et puis j'avais fait les débuts de code. Il faut que je retrouve d'ailleurs le petit carton que j'utilisais à l'époque pour le mettre un petit peu en surélévation quand je codais. L'inconvénient de tout ça, c'est que là, bah, j'alimentais par USB. Donc je pouvais certainement pas. Donner des impulsions électriques suffisantes pour l'ensemble des moteurs et il n'y avait clairement pas l'intensité. Si je le posais, il avait tendance à s'affaisser. Il n'y avait pas suffisamment pour maintenir les servomoteurs dans leur position. Il faut quand même une alimentation un minimum et j'avais pas de quoi. Et donc on va passer à la suite. Ça, c'était le passé et je vais vous montrer. Absolument pas cette vue-là, évidemment. Hop. Je vais vous montrer ce que je vais essayer. Voilà. Décidément. Promis V-Box, je vais finir par m'acheter ce qu'il faut. Donc là, ce que vous voyez là, ce que je vous ai montré, c'est la carte de chez Keytronic pour la carte Microbit qui va me permettre de piloter. Alors là, en l'occurrence, j'en ai 12, je n'ai pas besoin d'en avoir 16. De toute façon, ça me sera utile parce que je ne sais pas si c'est mes servomoteurs qui sont les servomoteurs, vous savez, les petits servomoteurs que vous voyez depuis tout à l'heure là, qui sont pas chers du tout, hein, c'est du cheap. Mais du coup, les connecteurs sont peut-être un peu épais en termes de plastique et quand on les enquille, là, les 16 à l'affilée, ça finit par stresser un peu le bornier qui est dessous, là, les broches. Et donc là, comme j'en ai besoin que de 12 sur les 16, je pense que je vais regrouper par patte en sautant une broche toutes les 3. Ça permettra de moins bourrer l'ensemble. Et ce que vous voyez là, le fil blanc, c'est un câble USB que j'ai coupé pour récupérer juste les deux fils d'alimentation, puisque l'autre bout de ce câble USB, je l'ai branché dans l'alimentation de chez Pine64 que j'ai là depuis quelques temps, qui me permet sur du 5 volts de monter. Ah, ça y est, évidemment, c'est
au moment de vous le dire, j'oublie, je crois que c'est jusqu'à plus de 4 ampères. Donc il n'y aura pas de souci, même avec 12 petits servomoteurs comme ceux-là. J'ai pas l'intention de mettre beaucoup de poids dessus de toute façon. Donc ça va pas trop les stresser, ça va pas demander trop d'intensité. Mais ça me permettra de tous les piloter. Et bon, ça va certainement pas être idéal. Je sais que c'est du carton plume, j'ai fait les dimensions au mieux, mais c'est peut-être pas le modèle top pour faire un quadrupède. Je sais déjà également que toute cette filasse là, c'est pas comme ça qu'on gère normalement pour avoir un quadrupède qui fonctionne bien, mais avec des servomoteurs comme ça, on n'a pas le système qu'on a sur les servos digitaux qui eux peuvent faire relais de servomoteur en servomoteur pour avoir un câblage qui passe dans les pattes de manière propre. Donc je sais que j'aurai ces petits soucis là, mais j'aimerais bien aller plus loin parce que j'avais même pris quelques cours sur Coursera pour avoir la théorie de la partie qui s'appelle l'inverse kinématique. L'inverse kinématique en robotique consiste en fait à déterminer la position que l'on souhaite obtenir pour son robot, qu'on aura défini par un certain nombre d'équations auparavant. Et de l'autre côté de cette mécanique d'inverse cinématique, quand c'est passé à travers la moulinette de ce servomoteur, on se retrouve avec les positions angulaires de chacun des servomoteurs pour atteindre cette position. Donc j'ai quelques petites bases, ça me demande de revoir du calcul matriciel, des choses comme ça. Mais c'est intéressant et je pense que là c'est l'occasion. Bah voilà, depuis janvier, comme je suis Microbit Champion, il faut que je fasse des jolis petits projets quand même, montrer un peu mon soutien à cette jolie plateforme. Et peut-être que la V1 est un peu juste en puissance de calcul, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, c'est certain que la V2, avec son microcontrôleur, suffira à faire ce que j'ai envie de faire là. Donc j'aimerais bien, sans aller jusqu'à un réel robot entièrement autonome, parce que je pense qu'il n'arrivera pas à supporter le poids d'une batterie, enfin je sais pas, je vais voir. Mais si au moins j'ai quelque chose qui peut mimer une des démarches existantes, je vous ferai une émission sur les différentes démarches, comment ils appellent ça, les gates. Donc ouais, yes. Yes, je sais pas si we are the champion, mais I am the champion. Arrête de chercher à lancer des chansons de partout, ça suffit, il y a déjà assez d'Horatio, d'Aurélie, de Shirley, là, ça suffit maintenant. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que ce sera, là vous avez vu la partie mon passé de robotique, hein, en quelque sorte. Et bah, je voudrais basculer à nouveau sur de la robotique et sur ces quadrupèdes. Enfin mon truc, ça sera un hexapode au final, mais on va déjà maîtriser les calculs nécessaires. Avec un quadrupède, on va déjà faire des choses plus simples pour démarrer. En sachant que j'ai perdu son nom et je l'ai rangé. Oui, ce coup-ci, il est définitivement rangé. J'avais un bipède de chez Robotis, un petit humanoïde qui était le Robotis Mini, avec des servomoteurs justement de type digital. C'est-à-dire qu'on a un contrôle et un retour de feedback qui permet de vérifier qu'on lui a donné une consigne angulaire et qu'il l'a respectée. On a aussi des indications sur la consommation, sur la chaleur, enfin la température qu'il a, enfin plein de choses. On peut les chaîner les uns aux autres, donc de la vraie robotique, comme dirait l'autre. Mais malheureusement, ces petits moteurs sont beaucoup moins présents dans tout ce qui est open source. Parce que Dynamixel a fait beaucoup de projets avec des universitaires, avec des budgets un peu plus conséquents, pour de la robotique, avec des servomoteurs, avec des capables d'actionner des vraies masses, des vrais poids. Et c'est pas tout à fait le même protocole. Et généralement, les implémentations qu'on trouve, par exemple, il y en a une qui existe d'implémentation pour piloter ces servomoteurs digitaux. Pardon, je vais me laver la bouche. Ces servomoteurs numériques, bien entendu. Mais ce sont des Dynamixel de la famille des AX12 qui sont les. Oui, le Freenove Hexapod Robot, c'est super sympa, mais j'en ai plusieurs comme ça. J'avais un bipède avec des servomoteurs pas trop chers, mais plus costauds, mais qui n'étaient pas digitaux. Et. Oh, j'arrête pas de le dire, ça c'est l'anglais, hein, je suis désolé. Mais. Ouais, c'est pas le même budget, et puis c'est pas toujours documenté pareil. Donc. J'aimerais beaucoup que ces petits servomoteurs là me permettent de. Tu veux que je le dise encore une fois? Non, je voudrais pas que la sanction tombe, j'ai trop peur de toi.
Ouais, je vais continuer à expérimenter en fait avec ces petits servomoteurs parce qu'ils ont quand même une facilité d'usage assez évidente. Mais ouais, je suis un peu déçu de ces petits servomoteurs numériques de chez Dynamixel qui marchent très très bien. Mais la seule façon de les piloter, c'est la carte qui est livrée avec, qui a certains petits travers. Et surtout, j'arrive pas à réimplémenter le protocole. C'est un petit peu le niveau du dessus de ce que je sais appréhender pour l'instant. Mais j'aimerais bien à terme y arriver, en sachant qu'ils marchent toujours et je les ai, ils fonctionnent, il n'y a pas de souci. Je vais juste prendre le temps de. Si tu le dis encore une fois, il va te mettre à l'index. Ouais, j'en ai peur. Mais je vais m'auto-mettre à l'index. Je déteste quand on utilise le mot digital au lieu du mot numérique. J'y peux rien. Je suis vieux et bête, hein. Mais là, c'est parce que dans toutes les docs, ce sont des digital servos. Et donc, c'est comme ça. Non, non, ça dérape pas du tout. Charles n'a pas d'allusion. Non, non, vous arrêtez tout de suite. Je vous arrête avec cette histoire d'index. Ah. Alors, Bbox nous met un lien. Est-ce que je vais réussir à le copier? Évidemment, non, ce serait trop facile. Il faudrait que je le récupère par là. Hop, si je passe par là, je peux y aller. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous montrer que tout le monde en profite. C'est donc le iSobot, c'est ça? iSobot. Tout à fait. Et celui que j'ai moi, c'est le Darwin Mini. Voilà, il est mignon, hein. Donc ce sont ces petits servomoteurs là qui sont très bien faits. Le câblage et le chaînage est super propre puisqu'on câble de l'un à l'autre. Ils ont tous un identifiant qui permet de les piloter de manière numérique sur une chaîne qui permet d'avoir une chaîne par jambe, une chaîne par bras et roule quoi. C'est pareil, ils le classent plutôt dans la catégorie des jouets, mais bon, alors je l'avais pas payé ce prix là, hein. J'avais profité d'une réduction, parce que c'est quand même un sacré budget, hein. Mais oui, si on regarde. Voilà le problème après les servomoteurs dont je vous parlais, alors c'est peut-être pas cela, mais si en recherche on voit souvent des MX 28. Bon, à 258 boules la pièce, si vous voulez en mettre 12 dans un quadrupède, je te dis pas. Le budget il fait pchit, ma tête aussi, et ça va pas le faire. Je sais pas s'ils en ont d'autres qui présentent là. S'ils en ont des grandes tailles. Ils ont vraiment des super robots. Alors, il y a d'autres projets que j'ai fait et j'avais fait venir des gens de ce projet-là pour Mixtin à Mixit, mais c'est pareil, c'est des robots en fait, ils marchent pas en vrai pour l'instant. Et moi, je veux un bipède à l'arrivée. Est-ce que je vais vous trouver ce que je. Ouais, d'accord, si je mets pas d'espace entre les deux. Ils en ont plusieurs de modèles. Bon, j'avais une plateforme de développement de ce type-là de chez Links Motion. C'est pas mal aussi, les Links Motion. Je vous l'ouvre, rien que pour vos beaux yeux. J'ai peut-être pas pile celui-là, mais il ressemble pas mal quand même. J'avais pas les mains, peut-être à l'époque. Ouais, c'est peut-être ça. Chez Robotshop, il y a pas mal, ouais, y a pas mal de trucs sympas aussi dans les gammes robotiques. Et donc, voilà, c'est la gamme bioloïde que je cherchais. Où là, voilà, on commence à taper des formats beaucoup plus gros, et ceux-là, les servomoteurs, par contre, il y a du rétro-engineering en open source, on peut en faire beaucoup plus de choses, voilà, les AX12A. Mais voilà, je sais pas si je clique, est-ce que ça va montrer le prix d'une pièce? Voilà, le AX12A, c'est 45. Donc votre humanoïde, il en a 18, je vous laisse faire le calcul. C'est pas, ouais, ça pique un petit peu, hein. Donc autant le Darwin Mini, j'avais dû avoir une solde de chez solde à 300 et quelques euros. Bah c'est une bonne affaire parce que ces petits servomoteurs, je sais que je finirai par en faire quelque chose. Hein. J'ai utilisé tel que déjà, donc j'en ai déjà bien profité. Après, j'avais pris le Metabot, qui est plus vraiment supporté d'ailleurs, c'est dommage. C'était un joli projet de robot quadrupède qui reprend en fait qui utilise des Dynamixel de ce format-là, les XL320, les petits là. Et je vois qu'il y a une nouvelle plateforme. Je vais peut-être retourner voir. Et donc là, eux, ça se pilotait avec un Arduino Nano. Et malheureusement, le firmware n'a jamais été open sourcé. Donc moi qui voulais le piloter à ma sauce avec d'autres microcontrôleurs, ben,
C'est pareil, j'ai fait un certain nombre de codes avec leur plateforme et puis bah, j'ai arrêté parce que c'était pas complètement ouvert. Voilà. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était déjà pas mal pour une demi-heure qui en fait 40, une minute. Avec des Atini 85. Alors attention, quand Charles décolle, ça va loin. Tu veux mettre des Atini pour piloter quoi exactement? Parce que là, je vois bien les Atini 85, c'est pas suffisant pour faire les calculs nécessaires pour faire de l'inverse kinématique, c'est sûr de sûr. Ça peut donner les impulsions nécessaires pour piloter les cerveaux éventuellement. Ah mais de mettre l'Atini dans le... Oui c'est ça, hein, de toute façon, les... Je sais pas quelle est la puce qui est utilisée exactement, mais un servomoteur numérique, c'est rien d'autre que les servomoteurs tels que vous les voyez là. Mais on a rajouté à l'intérieur un mini contrôleur microcontrôleur qui permet de le piloter plus précisément et de manière numérique avec contrôle de l'angle et tout, hein, bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit les Atini 85, mais je chercherai, je creuserai ce que c'est. Mais les XL320, même achetés à la pièce, c'est pas. Voilà, on n'est pas sur des prix qui font peur. Enfin, c'est plus abordable. Le servomoteur est à une dizaine d'euros, je crois. XL320. Tac, tac, tac. Si on va chez Gotronic, par exemple. Ah non, ça a augmenté, vache. Moi, je les avais. Ah mais je les avais achetés dans le kit, c'est pour ça qu'ils m'avaient coûté j'avais fait un calcul à 10 € pièce, là ils sont à 22 quand même. Donc ouais, déjà 22 x 12 pour faire un quadrupède, ça fait un peu cher. Le Darwin Mini en fait me plaisait parce que c'était un bipède, mais m'avait permis d'acheter en fait suffisamment de servomoteurs d'un coup pour beaucoup moins cher que si je les avais achetés comme ça à l'unité. Enfin voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Amusez-vous bien. Je tâcherai, je pense, dans la. Non, ce soir je vais peut-être faire un peu de musique, mais il faut que je continue d'installer la partie Adafruit Blinka pour faire du circuit de Python, enfin en tout cas là, des projets communs entre microcontrôleur et ma petite Pi 0W là. Et je vous dis très très bonne journée. Et à bientôt!